ce geste de toi viendra mon secours. Viens se mettre dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce début du mois de février, c'est incroyable comment le temps passe vite. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une phrase que j'aime beaucoup. Elle est de Saint-Augustin, puis on va la développer ensemble. On va essayer de réfléchir. Écoutez bien la phrase, je vais la dire lentement. Vous allez voir que c'est rare que ça arrive. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. Je vais le répéter parce que c'est trop beau. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. J'aimerais qu'à la fin de l'émission d'aujourd'hui, vous preniez le temps peut-être d'être en silence, de prendre une feuille de papier et, ou sur votre téléphone ou votre tablette, peu importe, et de faire la liste de vos connaissances. Après ça, de ceux que vous croyez être vos amis véritablement. Vous savez que des vrais amis, on n'a pas tant que ça dans la vie, là. Hein, on a beaucoup de connaissances, mais des vrais amis, c'est plutôt rare. Et pas les amis Facebook, là. Mais je vous parle des vrais amis qu'on peut avoir des contacts humains. Et dites-vous après, à laquelle de ces... Quand vous regarderez vos deux listes, dites-vous à qui dans ces personnes-là je pourrais tout dire de ma vie en sachant que cette personne-là m'aimera quand même. Vous allez voir que c'est très, très difficile parce qu'on a tous des jardins secrets, évidemment, mais lorsqu'on est capable de trouver une personne dans notre vie, ne serait-ce qu'une, de dire, cette personne-là, elle sait tout de moi et elle m'aime quand même. Et je trouve que c'est la belle définition de Dieu, évidemment, de Jésus dans notre vie. Lui, il connaît tout de chacun et de chacune d'entre nous. Et malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos conneries, il nous aime. Et moi, je nous souhaite, à vous et à moi, de trouver un ou une amie autour de nous, parce que parfois, on a besoin de se confier, à quelqu'un sans être jugé. Et ça, c'est tellement rare de nos jours. On est porté à se faire juger, on est rendu dans un monde où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, où c'est devenu assez spécial, hein, ça, je dois vous le dire, là. On marche sur des yeux tout le temps, est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que je peux dire ça, etc. Mais lorsqu'on trouve une personne autour de nous, avec laquelle on peut prendre un café, on peut simplement prendre une marche, et de dire... Toi, je peux tout te dire et je sais que tu ne me jugeras pas. Si vous avez ça dans votre vie, je vous dis ce matin, ce mois de février, vous êtes extrêmement riche. Parce que beaucoup de gens ont des amis, en guillemets, mais c'est pas profond, profond. Je vous le dis, c'est très, très rare d'avoir une amitié aussi profonde avec quelqu'un. Je vous le dis là. Et c'est pour ça qu'après l'émission, prenez le temps de regardez autour de vous, pensez à vos connaissances et à vos amis et dites-vous, laquelle ou lequel parmi toutes ces personnes est mon meilleur ami à qui je pourrais tout dire. Et je vous dirais que si malheureusement vous n'en trouvez pas autour de vous, parce que ça se peut, parce que c'est pas facile de trouver un ami à qui on peut tout dire, on se console en disant que notre meilleur ami, c'est Dieu lui-même. Parce qu'avec lui, on sait qu'on ne sera jamais jugé. Et c'est ça qui est important. Moi, ce que j'aime de ma relation avec Dieu, c'est que je sais qu'il sait tout de moi. Il connaît toutes mes erreurs, mes niaiseries, mes conneries, mes doutes, toutes ces affaires-là. Mais il connaît aussi mes qualités. Et lui, il regarde d'abord les qualités avant les défauts. Alors, c'est l'amitié que je vous souhaite de vivre en ce mois de l'amour et de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965.
Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Regardez-le bien à l'écran, ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est la collection 2024. Beaucoup, beaucoup d'entre vous avaient celui de 2023 qui était bleu. Cette année, il est rouge. Il est absolument magnifique. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, Casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, Casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous invite à bien regarder ce magnifique cœur en pierre d'agate. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni et c'est la collection 2024 parce que vous avez été tellement nombreux à aimer celui de l'année dernière et je me suis dit, il faut qu'il soit encore plus beau que l'année dernière. Et on a trouvé ce magnifique cœur en pierre d'agate de couleur rouge. Merci de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que dans quelques jours, ça fera déjà 29 ans qu'on est ensemble. Imaginez, lorsque j'y pense, j'en reviens pas moi-même. Mais tout ça, c'est grâce à Dieu et grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le bon père Michel-Marie de Paris. C'est toujours un grand bonheur que de vous retrouver et de partager l'Évangile du jour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Mes frères bien-aimés, nous venons de faire un petit tour en bateau sur le lac de Tibériade avec notre Jésus et ses apôtres, et c'était bien sympathique, car c'est ainsi qu'il faut lire l'Évangile, en se glissant dans chaque page et en se mettant à la place des apôtres ou en prenant place parmi la foule qui écoute le Christ. Vous savez sans doute que pour se rendre d'une rive à l'autre du lac, il faut tout de même ramer fortement. Les vents peuvent d'ailleurs être contraires et il s'agit toujours de couvrir une distance de 13 km. Aujourd'hui, en accostant, Jésus est immédiatement reconnu, comme le sont d'ailleurs de nos jours les gens médiatiques. Mais en ce qui le concerne, lui, pour la bonne raison qu'il accomplit le bien à tour de bras et de cœur, qu'il s'intéresse à la misère d'autrui, lui qui sait mieux que personne, pour avoir créé l'être humain, que sans la santé, vous et moi, nous ne valons plus grand-chose. Si la douleur est là, ne serait-ce que si nous souffrons d'un mal de dents, l'âme souffre terriblement et nous perdons facilement le moral sous le mal lancinant. Si nous sommes infirmes, certes, on peut s'habituer à son état, mais l'incapacité à se mouvoir vient tout de même briser la vie, le mouvement de la vie. Et enfin, si de grands drames sont venus heurter notre cœur, je pense notamment à la mort d'un enfant, la mort des nôtres, malgré la foi, on se relève difficilement. Et je le redis, le Christ, sachant le désastre que représente la douleur humaine, fait tout pour l'endiguer. Et il y réussit merveilleusement à coup de miracles et même de prodiges. Aussi, rien d'étonnant à ce que la foule vienne l'étreindre à la sortie du bateau. Et il faut imaginer les malades gémissant,
sur leurs brancards et les implorations de leur famille. « Seigneur, faites quelque chose pour le mien, pour mon enfant, pour mon petit. » L'Évangile précise que partout, le même scénario se déployait. Non seulement au rivage du lac, mais aussi en bord de route, et sur les places, dans les villages, dans les villes. Il faut dire qu'aucune vie n'échappe à la nécessité d'être guérie physiquement ou moralement. Quand on constate à quel point Jésus acceptait de se plier aux exigences de la foule, nous ne devons pas hésiter de notre côté à demander par la prière au Dieu d'amour notre propre guérison. N'hésitez pas, mes frères bien-aimés. Et avant tout, ce qu'il faut lui demander, ça c'est certain, il nous l'a dit sur tous les tons, c'est de vivre sous le souffle de l'Esprit-Saint. Qui vit en osmose et sous la mouvance de l'Esprit de Dieu sera tour à tour éclairé, que dis-je, illuminé, mais aussi soutenu, fortifié dans son âme et dans son corps, de manière à pouvoir affronter toutes les épreuves que la vie, parfois en sauvageonne, nous inflige. Car ce n'est pas Dieu notre Père qui nous éprouve à travers la maladie, comme je suis heureux de vous le redire, et même à travers toutes les autres formes de drame. Car si c'était le cas, si le mal venait de Dieu, je ne vois pas pourquoi son Fils se serait employé à détruire l'œuvre de son Père en empêchant les maladies de progresser. Non, Dieu notre Père ne collabore pas avec le mal, même si, à travers nos épreuves, nous pouvons nous embellir humainement, en développant notamment un certain nombre de vertus, par exemple le courage ou encore la patience. Il peut certes y avoir des fruits à la souffrance, et c'est à nous de les faire mûrir sous le combat, mais ne mettons pas sur les épaules du Dieu Père nos malheurs. Ce n'est pas lui qui a cloué sur son lit la petite Thérèse de Lisieux. Ce n'est pas lui qui a voulu que soient enfermés dans les camps de la mort ou dans les goulags de Sibérie des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ce n'est pas lui qui a plongé le pape Jean-Paul II dans cet état de délabrement physique auquel nous avons assisté. C'est la vie qui nous frappe dans le dos. Mais le Christ est là, en face de nous, mieux, en nous, pour soutenir nos efforts et aussi, si telle est sa volonté, de nous guérir, à moins qu'il faille mourir, parce qu'on doit bien mourir. Alors, armons notre confiance en Jésus, qui peut tout. Avec lui, je vous bénis, et bien sûr, je vous embrasse. Courage ! Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, je sais que vous allez être très, très content. Je vous en parle depuis quelques temps. Ce magnifique cœur en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement, c'est la collection 2024. Ce cœur, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Ça se donne bien soi-même aussi. Et vous vous souvenez, celui qu'on avait eu l'année dernière, il était bleu. Cette année, il est rouge. Et je dois vous dire qu'il est d'une beauté extraordinaire. C'est la collection 2024. Ça vient toujours avec la chaîne qui est en acier inoxydable. Donc, ça ne ternira pas. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Vous savez que bientôt, dans une semaine, exactement, ça fera 29 ans que la victoire de l'amour existe. Et moi, je vais vous dire des milliers de fois merci, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et je veux que vous en preniez conscience. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne peux pas donner beaucoup. » L'important, c'est pas ça. C'est de donner ce qu'on peut avec son cœur et surtout dans la joie. À demain. On a beaucoup, beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et moi, mon objectif, c'est de prendre soin de lui, puis lui, c'est de prendre soin de moi. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux.